Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, comme promis, j'aimerais vous parler de la farine que j'ai trouvée pendant le confinement, quand les rayons dans les supermarchés ont été vides. Il n'y avait plus de farine du aucun type. Donc, on a dû revoir notre choix. Moi, j'ai tombé sur un type de farine T55. C'est ma préférée. Mon type préféré de farine en France est la T55 parce que je l'utilise pour tout. J'aime pas la T45 parce que pour moi il n'y a pas assez de protéines, même pour les gâteaux j'utilise toujours la T55, pour pas dire des pâtes, la pâte à pizza, la pâte à j'avais oublié le pain hamburger, ben c'est toujours avec cette farine très élastique et j'y vais tout faire à partir du confinement. Donc, je vais vous la montrer. Je l'achète en fait chez Carrefour à 2,70 le kilo. Et c'est celle-ci. Voilà. Naturaline, farine de blé blanche type 55, bio. Mes pâtes, tous les types de pâtes. Dès que j'ai découvert cette farine, j'ai commencé à faire des pâtes fraîches. Et ça n'a pas la même consistance comme une farine de première prise. C'est flexible, molleuse. J'avais fait les lasagnes avec la pâte faite maison. Et avec cette farine-là, ben, on a bien vu la différence. Ça fait vraiment la différence. Même si c'est plus cher, pour les choses qu'on va faire chez nous, on ne fait pas tout le temps des choses chez nous. Avec la farine, avec la levure et tout ça. Donc, mais si on le fait, c'est la farine que convient au niveau de texture de la pâte. Pas importe si c'est pour la pizza. J'avais fait la pizza, j'avais pas assez de farine. J'avais terminé mon type de farine. Ma farine, donc j'ai pris une autre farine qu'une voisine m'a donnée, m'a prêtée. Je lui ai dit, écoute, j'ai plus de farine, s'il te plaît, prête-moi la farine T55. Elle m'a donné un type de farine T55. Premier prix, mais celle-ci, j'avais l'habitude de prendre aussi avant. Et j'ai essayé plusieurs types de farine pour faire les pâtes faites maison. J'aime bien et j'ai pas trouvé un type de farine qui laisse mes pâtes assez molleuses pour pouvoir les manger. Donc, j'ai trouvé ce type de pâte-là. C'est génial. De pâte de farine-là. C'est génial. Pour tout, en fait, toutes mes recettes avec cette farine-là sont différentes. La texture est différente, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je vous la recommande. Donc, je vous montre encore une fois. C'est, oh, pardon, je viens de finir notre pack de farine. C'est génial. Donc, sur ces beaux, joyeuses notes, je vous laisse et je vous souhaite un super bon après-midi. Au revoir.